Ah, j'adore me confesser. Ouais. Tu vas te confesser, voilà, là. Je trouve ça assez sexy. Bon. Alors, Richard, dans la série Confession d'un barjo suite, es-tu favorable au divorce? Je m'interdis d'y penser. J'aime l'idée qu'un couple aille loin ensemble. J'aime ça. À l'avortement. Ouais. Parce que j'entends toujours des gens dire comment l'avortement, machin. Ok, je comprends l'idée de vie, machin. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans des situations absolument infernales, quoi. Où Dieu, même Dieu de là-haut, a toute sa miséricorde. Il faudrait peut-être lui demander à lui plutôt que de demander à ses serviteurs. À la peine de mort? Non. Même pour les assassins d'enfants? Bah oui, je suis obligé de continuer. À la légalisation des drogues douces? Ouais, ça c'est un vaste débat. J'ai connu certaines légalisations à Londres dans les années 60, à Amsterdam, en Hollande, on connaît aussi. Je sais pas. C'est quand même qu'autour des lycées et des petites écoles, il y a quand même un maximum d'enfoirés qui rôdent, quoi. Et que j'ai pas envie que mes gosses tombent là-dedans. Ils feront ce qu'ils voudront quand ils seront au moment où on peut dire oui ou non, en ayant pensé une chose. Tu es pour ou contre? En fait, tu sais pas. Quels sont tes tabous? Tabous. Ce qui me choque. À vrai dire, tout me choque. Moi-même, même, je me choque. Tu te choques quand? Quand je suis choquant. T'es choquant quand? Quand je suis indécent. Orgueilleux, vaniteux. Tu as honte de toi dans ces moments-là? Ouais. Tu es de moins en moins comme ça, moi, je trouve. Ouais, mais il y a encore du boulot à faire. Tu as déjà fait pas mal. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu crois en Dieu? Ah, je crois en l'esprit. Je crois aux choses qui vibrent. Je crois à la zébrure divine, oui. Ouais. Tu crois au diable? Ah bah oui, je crois aussi à l'autre, oui. Je crois à la mauvaise... Enfin, il doit y avoir un diable sympathique et puis un diable parfaitement tordu, c'est sûr. Ouais. Donc je crois au diable sympathique, mais je crois aussi au diable complètement tordu. Il n'y a qu'à voir les événements. Il faut bien qu'il y ait le diable qui soit dans cette affaire-là, parce que... Donc le diable, oui, j'y crois. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.